Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de mettre un char d'assaut hors d'usage en endommageant le moteur. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite chapitre 3 saison 2. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à cet emplacement là, donc à côté de l'état-major enfoui. Donc je pense que c'est plus ou moins par ici, il y a un char qui nous attend. Donc ce que vous allez devoir faire déjà, c'est de vous trouver une arme. Donc regardez, le char est juste en bas. En espérant que le mec ne prenne pas le char. Donc non, ça va, il ne se dirige pas vers le char, donc parfait. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà de trouver une arme. Parce que pour endommager le char, il vous faudra n'importe quelle arme. Mais il vous faudra au moins une arme. Donc là, hop, je vais récupérer ces deux armes là que j'ai trouvées. Tac, tac. Avec celle-là avec, parfait. Peut-être prendre une caisse de munitions. Normalement, il faut pas énormément de munitions, mais voilà, prenez des munitions au cas où. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire pour endommager le char, c'est tirer dans son moteur. Alors, son moteur, c'est pas devant. Non, c'est pas devant, c'est derrière. Donc, c'est les deux trucs que vous voyez ici. Donc, ça c'est son moteur. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans ce moteur pour endommager le char. Donc là, normalement, il est endommagé. Hein, parce que regardez, il y a des feux qui sortent. Et que si je monte, regardez, désactivation temporaire surchauffe du moteur. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer à l'arrière du char. Après, bien entendu, il refroidit, donc on peut l'utiliser. Mais pour endommager le moteur et le mettre hors d'usage, il faut tirer dans son moteur. Comme ça, vous ne pouvez plus l'utiliser et personne ne peut l'utiliser pendant un large temps, enfin un petit moment. Alors, je ne sais pas s'il vous faut absolument un adversaire qui contrôle le char, je ne pense pas parce que dans le défi il n'est pas noté, mais au cas où, s'il vous faut un adversaire à l'intérieur ou même des gardes de l'IO, bah, n'hésitez pas à aller par exemple à Tinted Tower directement, là il y a un char en plein milieu, il y a sûrement quelqu'un qui va le prendre, donc dès que quelqu'un le prend, bah, boum, vous tirez à l'arrière du char et vous endommagez le moteur. Dès que ce sera fait, bah, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulomike et ciao, peace.